Allez, je vous emmène dans un supermarché coréen. On va commencer avec les cafés Maxim. Parce qu'on les voit dans tous les dramas. Ils font leur petite pub tranquillou. Donc voilà, ils sont juste là. Franchement, je ne les ai pas goûtés. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, je pense que c'est comme un Nescafé chez nous. Vous l'avez sous différentes formes d'ailleurs. Là, il y a le thé. Ils ont du Lipton. Là, c'est tout ce qui est miel. Le thé. La lessive, la soupine. Là, on est dans le rayon céréales. Les fruits green. Oh, c'est marrant. De l'autre côté, on a tout ce qui est café, encore été. Café Maxime. Ça, j'ai goûté. C'est vraiment pas terrible. En fait, il y a plein de trucs comme ça dans leur alimentation où il y a de l'ajout de sucre. Et avec du fromage, franchement, c'est écœurant. Ça, c'est trop bon, ça. Ça, c'est pas mal, mais c'est pareil, il y a de l'ajout de sucre. Et nous, on aime bien quand c'est bien salé. Ça ressemble un petit peu à des Pringles, goût pizza. Et celui-ci est moins sympa, je trouve, avec de l'oignon. Ça, j'avais goûté déjà, parce qu'on en trouve à Paris, à Kimart. Et c'est pas mal. Ça fait des grosses frites creuses, croustillantes. Les chips à la truffe. Là, c'est, je sais pas, c'est pimenté. Là, on a les Pringles. Et de l'autre côté, on a. Alors, ça, j'avais déjà goûté à Paris, à base de crevettes. On se croirait un peu au Kimart en fait à Paris. Ça c'est bon ça. Alors là on est rayon gâteau bonbon. Et j'ai goûté un truc qui était pas mal du tout, il faut juste que je le retrouve. Ils ont des Haribo aussi. Hein. C'est des Skittles, c'est moi. Je suis pas chouette. Ah voilà, ça c'est bon ça. Ça c'est super bon. C'est au citron et ça légèrement goût de menthe. Mais ça arrache pas, donc ça va, c'est pas mal du tout. De ce côté-là, on a tout ce qui est gâteau et ça, c'est pas mal du tout. On a pris, je vous en avais parlé déjà dans une autre vidéo. Vous avez la version 6 mini. On va reprendre une boîte. Je sais pas si les garçons en ont pris ou pas. Les crunchy aussi, c'est trop bon. C'est trop bon, trop bon. Là, on a les petits bonbons. Ça, quand on était à Jeju, oh là là, qu'est-ce qu'on en a mangé avec Maxime. C'est comme des Mikado, des Poki. C'est avec des amandes et du matcha, du thé vert. C'est magnifique. J'ai pas goûté celui-ci, mais il est trop mignon. Il y a pas mal de gâteaux comme ça, moelleux, fourrés. Fraises, bananes.
Là, c'est rayon un peu par viennoiserie. Et moi, le matin, en ce moment, je pense ça. C'est ce qui ressemble le plus à chez nous, parce que je sais pas quoi manger d'autre, en fait. J'ai pas envie de manger de riz le matin. D'ailleurs, c'est pareil, je vais en reprendre. Ça, c'est pas mal. Les enfants, ils aiment bien. C'est comme des yop à boire. Ah, c'est le rayon, c'est tout ce qui est lait, tout ce qui est laitage. Et je vais vous montrer ce que je mange en ce moment soir. Ça, c'est mon café préféré. Comme il y a le typhon, je vais en prendre deux parce que je crois qu'on va être bloqué. Camembert australien. Bon, je pense qu'on a tous compris que camembert n'était pas une appellation d'origine protégée. Hein. Parce que là, c'est juste pas possible. Bon, là, on est dans le rayon un peu chic hein, quand même. Hein. T'as vu hein. Roulé ananas, abricot, amande. Ouais. Alors, je vais vous montrer les super desserts que j'adore. Alors, ils sont où ? Vous avez du lait d'amande, il y a des yaourts à la grecque. Pas mal de yaourts à la grecque. Et alors ça, coup de cœur. Mais c'est tellement bon. C'est des petits petites céréales crunchy au sucre pétillant et avec des cœurs au chocolat. Ceux-là, je ne l'ai pas encore goûté, mais en fait, j'aime tellement les verts que je reste sur ce truc-là, parce que j'ai peur d'être déçue. Hein. Avec la mascotte de Raymond. Donc là, il y a tout ce qui est yaourt. Oh là là, ça a l'air magnifique, ça. Alors là, c'est rayon jus de fruits. Et on en a testé quelques-uns. Celui-ci, ananas, c'est pas mal du tout. Et là, il n'y a plus celui à la mangue. C'est dommage parce que alors, j'en avais jamais bu d'aussi bon. Hein. Vous avez rayon congelé avec Pikachu, c'est marrant. On a les fameux corn dogs. Ils aiment bien les sticks de mozzarella comme ça. Et les croissants. Et on a aussi des Yoplait. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. On en a acheté la dernière fois, on ne les a pas encore goûtés, donc je vous dirai. Ils ont plein de petits yaourts comme ça à boire. Et alors ceux que j'adore, je vais vous montrer, parce qu'il y en a pas mal. C'est ceux-là. C'est des dim sum, ils sont trop bons. En fait, en Corée, vous avez plein de dames comme ça qui font des petites dégustations. Hein. Et ça vous permet de goûter les produits. Puis si vous aimez ça, bah, après, vous pouvez les acheter. Et on a goûté des gyoza comme ça. C'était sur l'île de Jeju. Et du coup, on les a achetés, c'était trop bon. Là, on a tout ce qui est bâtonnet de crabe. Bâtonnet de crabe de compète. En fait, il y a plein de plats comme ça avec tous les ingrédients. Et vous n'avez plus qu'à les assembler puis à les cuisiner. C'est super pratique. Puis alors, au niveau du plat, enfin, il y a pas mal de choix en fait. Hein. Du bœuf, des légumes, du porc, des champignons. C'est pas mal. Mais il y a même l'offre, regardez. Hein. Tout est fourni en fait. Alors là, c'est le rayon préféré des garçons. Moi, je n'aime pas ça du tout. C'est tout ce qui est sushi. Vous avez un petit stand comme ça au centre et vous pouvez acheter du kimchi, du radis, des légumes. Et en fait, il y a pas mal de choix. Il y a des trucs, franchement, je sais pas ce que c'est. Là, c'est des petits poissons.
Et ce qui est bien, c'est qu'au centre du supermarché, vous avez comme ça un restaurant carrément, où vous voyez, les gens sont assis, ils sont en train de commander, ils sont en train de prendre leur repas, simplement. Je vous montre la carte. Donc voilà, on l'a pas fait encore celui-là. Vous voyez, les gens, ils prennent leur repas. Et là, vous avez tout ce qui va être friture. Donc, il y a pas mal de trucs à base de poulet, de sauce. Les trucs, je sais toujours pas ce que c'est. Là, ça doit être du porc pané. Là, ça doit être des crevettes. Là, c'est tout ce qui est poulet. Je sais pas, on va aller au rayon poissonnerie. Alors le soir, c'est hyper animé. Il y a le poissonnier qui gueule clairement. Ah ouais, là c'est du sashimi de compète. Hein. Ah, le prix, il est salé aussi. Hein. Là, on arrive dans le rayon soja, tofu. Là, c'est tout ce qui est légumes. Ça ressemble à chez nous, un peu le coup, là. Les gros champignons, le maïs. Alors là, je comprends pas le concept. Hein, ils emballent les courgettes une par une. Pas mal de plastique hein, en Corée quand même. Là, c'est les salades toutes faites. Ça, c'est mon rayon préféré. Rayon fruits. Ananas. Là, on a tout ce qui est fruits congelés. Alors là, on a des pêches de compète. Bon, il y a carrément écrit ne pas toucher. Mais je vous laisse imaginer la taille de la pêche. Quoi. Là, on a du raisin. 14 euros la grappe. 14 euros la grappe. Bah, ouais. Là, il y a des tomates, 10 000 euros, pastèque, hashbaf. C'est ultra, ultra connu en Asie et c'est super bon. Ah ouais, là, c'est un paquet où tu peux... C'est bien pas. Ah oui. C'est bon.
là, je ne saurais pas trop vous dire ce que faire. Poisson séché. Je sais pas, à boire avec de la bière peut-être en apéro. Là, je sais pas. C'est du... Ah, ils ont du beef jerky, dis donc. Oh là là, attends, mais celui-ci, c'est grand luxe. Hein. Oh. Okay. Les sauces. La moutarde, ils adorent ça, cette moutarde. Ils ont aussi des pâtes, je sais pas quoi. Là, c'est le rayon petit, enfant, bébé, les petites compotes, les jus de fruits, les petits repas. Et si vous êtes en Corée avec des jeunes enfants, voilà, sachez qu'en supermarché, vous allez pouvoir trouver des choses. La chose, c'est tout ce qui est petit plat tout prêt, j'imagine, des soupes toutes faites. Ramen, enfin ramyeon, en Corée. Ça va du sol au café. J'exagère pas du tout. Elles sont trop cute, leur mascotte. Et on en a encore de l'autre côté. Hein. Oh, il est beau lui, regarde. Oh, qu'il est beau. Viens de mon côté, hein. Viens voir. Bon, bah écoutez, on va se diriger en caisse. En tout cas, j'espère que cette petite visite vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao. Thank you.